Bonjour tout le monde, bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le thème aujourd'hui c'est le diamond painting. Je vais vous présenter, je vais vous montrer où j'en suis arrivée sur mon tableau de la japonaise déjà. Et il y a Fifi qui est là. Et je vais vous présenter un kit qu'ils m'ont envoyé. Bon, ils me l'ont déjà envoyé depuis un moment, ça fait presque un mois maintenant. Ils me l'ont envoyé début octobre, mais avec le salon, j'ai pas eu le temps de présenter le kit. J'ai d'ailleurs même pas eu le temps de l'ouvrir. Donc là, je viens juste de couper le scotch, c'est tout. Donc je n'ai même pas regardé moi-même à l'intérieur du carton, j'ai pas eu le temps du tout. Donc j'ai pas pu vérifier rien. Donc je vais vous le présenter également. Mais je vais vous montrer d'abord où j'en suis arrivée déjà avec le premier kit qu'ils m'ont envoyé, donc la japonaise. Donc je l'ai presque terminé et là je suis un peu coincée parce que je suis tombée en panne de perles. Donc là je vais lui envoyer un message demain pour lui demander qu'il m'envoie les perles qui me manquent. Donc il manquait des perles dans le kit, il n'y en avait pas assez pour deux couleurs. Il m'en manque pas énormément, hein, mais bon, il m'en manque quand même pour finir, pour terminer complètement le kit. Et donc j'espère qu'ils vont me répondre assez rapidement et qu'il pourra m'envoyer donc ces perles manquantes. Pareil, assez rapidement aussi, pour que je puisse terminer donc ce tableau. Donc, je vais me mettre debout pour vous montrer où j'en suis, parce que comme il est grand, ce sera plus facile. Alors. Hop. Donc, voilà. Alors, Fifi, bouge. Ouais. Voilà ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer donc, ce qu'il reste à faire. Je vais repousser Fifi. Voilà. Et donc, il me reste que cette partie-là à faire. Vous voyez. Donc là, il y a des couleurs que j'ai hein, déjà, donc que je vais finir. Et il y a deux couleurs où il manque... il a manqué en tout à peu près une centaine de perles pour les deux couleurs, je pense. Donc voilà où j'en suis. Je suis bien contente, il est super beau. Et il donne vraiment... Le dessin redonne bien ce qui était prévu à la base. Il était très facile à faire. Hein. Bon, de toute façon, diamond painting, bon, j'ai l'habitude, donc c'est pas compliqué. Il colle toujours aussi bien, même arrivé à la fin. Les perles tiennent bien. Ben, la preuve, vous avez vu, hein, je l'ai mis debout, y a pas, ça ne bouge pas. Donc il est toujours de bonne qualité. Et puis donc voilà. Donc là, celui-là, je vous rappelle, je l'ai eu chez Victoria Moon, pardon. Donc c'était le premier kit hein, que j'avais reçu. Et là, je pense que pour la semaine prochaine, si j'ai eu les perles manquantes, il sera terminé. Je vous le montrerai une fois terminé, et puis je l'encadrerai. Voilà. Excusez-moi, j'ai encore un chat dans la gorge. Je vais le mettre un petit peu sur le côté et on va déballer donc le deuxième kit qu'ils m'ont envoyé. Donc voilà, toujours dans le carton hein. Non, alors Fifi, tu reviendras après. Plus rien, non. Non, Fifi. Elle veut se mettre devant la caméra. Hein. Elle est macrosse. Hop. Alors, celui-ci est encore plus grand. Enfin, pas beaucoup. Non, c'est la même taille. Excusez-moi, je dis des bêtises. 60-45. C'est la même taille. Oh, quel pot de colle! Donc, voilà. Donc j'ai toujours ma petite fiche
avec toutes les couleurs. Donc là, j'ai 36 couleurs pour celui-là. Donc, comme je vous ai dit, la taille sera la même, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous montrer le dessin, mais je vais vous le mettre en image après, parce que là, je pense que vous ne le verrez pas bien. Non, je pense que là, vous ne le verrez pas bien. Mais je vous le mets en image juste après. Alors, attendez, on va essayer de voir au mieux. Voilà ce que ça donne. Voilà. Mais je vous le mets en image tout de suite. Voilà, donc vous avez vu le modèle que j'ai choisi. Donc là, il y a beaucoup de couleurs claires, puisque c'est des loups blancs, cette fois-ci. Donc avec, ils m'ont toujours mis en cadeau le petit stylet. Je commence une collection avec ce stylet, mais bon. Donc je le remontre pour celles qui ne l'auraient pas encore vu. Voilà, donc c'est le petit stylet comme ça, donc avec la petite pointe. Non, Fifi, il faut que tu arrêtes là maintenant. Allez, hop. Voilà, et de l'autre côté, donc là, il n'y a pas besoin de mettre de colle, hein, de ce côté-là. Enfin, la colle, c'est le petit, petit carré rouge de glu. Pardon. Alors, en petit matériel, bon, c'est toujours un peu près la même chose. Hein. Là, c'est le même que pour l'autre site. Donc, j'ai la pince. Voilà. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Parce que là, j'ai les bras à rallonge. Donc, voilà. La petite pince, comme ça. Voilà, celle-là, j'aime vraiment bien. Elle va bien pour attraper les perles. Et puis même pour quand on s'est trompé, pour enlever une perle sur le tableau, elle va vraiment bien. Jusqu'à maintenant, c'est le style de pince que j'ai trouvé le mieux. Donc, avec... Fifi, s'il te plaît. Le petit stylo tout simple, hein, comme ça. Donc là, avec l'embout où on peut mettre 6 perles, celui-là c'est un 6. Et le petit embout pour faire avec une perle seulement, bien sûr. Le petit carré de glu rouge pour mettre au bout pour coller les perles. Le petit plateau blanc, comme ceci. Avec la petite gouttière qui fait entonnoir pour remettre dans les petits pots, les perles. Et maintenant, je sais à quoi ça sert, ça. C'est un petit bout d'adhésif qu'ils mettent, donc blanc. C'est pour mettre les numéros sur nos petits pots. Voilà, donc bon, il n'est pas très grand, hein. Mais donc, comme c'est un adhésif, on marque nos petits numéros de perles dessus. Donc là, comme ça, ici, c'est marqué... Oh, ça y est, il commence à pleurer. Comme ici, chez eux, ça va, il y a toujours le code du nuancier, hein, nuancier comme le DMC. Et vous voyez, à côté, ça va toujours de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi, quand je range mes perles... Je note ce numéro-là. C'est beaucoup plus simple. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, avec ça, je découpe. Il faut découper les petits bouts et puis marquer 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais j'ai déjà des étiquettes, moi, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon. Voilà. Donc, je remercie. Je ne sais plus qui m'avait dit. Parce que je sais qu'on était à plusieurs à ne pas savoir à quoi servait ce petit adhésif.
Et je ne sais plus qui me l'a dit dans les commentaires sous une de mes vidéos. Donc je la remercie. Je dormais moins bête ce jour-là. Ici, j'ai toutes les perles. Donc là, ce sont des perles carrées. Moi, c'est ce que je préfère. Bon, je ne vais pas toutes les ouvrir, mais je cherche le bout du sachet. Je fais du bruit. Je n'ai pas trouvé le bout. Ah ah ah. La blague. Ah, il est soudé. Ah non, le voilà. Voilà, on prendra au hasard. Donc voilà, les petits sachets de perles. Donc vous voyez, ce sont des perles carrées. Donc, sur chaque sachet, je vous rappelle, donc il y a le numéro, par exemple la 31. Là, c'est le code du nuancier. Et là, c'est le nombre de grammes de perles qu'il y a dans le sachet. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de... J'ai beaucoup de bleu. Alors, on va regarder combien de couleurs. En fin de compte, il n'y a pas tellement de blanc. Je pensais qu'il y avait plus de blanc. Mais j'ai ça en blanc. Voilà. Et après, c'est beaucoup des bleus. Donc, je vais regarder. Alors, par exemple, celui-là, c'est le 18-792. Oui, c'est bien ça. 31-37-43. Ah oui. Alors, en fin de compte, je croyais que le tableau allait être fort blanc. Mais non, regardez, vous voyez. Alors, je vous montre. Il y a beaucoup de bleu. C'est tous des bleus différents. Ce qui me semble, quand on voit l'image du tableau, vous voyez, il y a énormément de bleus différents. Après, il y a des verts différents. Donc là, ça c'est un autre. Vert plus foncé. Ça c'est pas un noir, c'est un bleu marine. Voilà. Vous voyez, encore un autre bleu. Donc en fin de compte, j'ai beaucoup de bleu pour ce tableau. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et en blanc, oui, il n'y a pas, il n'y a que ça en blanc. Donc j'espère que ben là, il n'y a pas d'erreur. Je verrai bien. Il y a du gris. Il y a beaucoup de gris aussi. Donc, le gris et blanc, bon, c'est vrai que c'est peut-être, ça va être peut-être rapprochant. Il y a un gris encore un petit peu plus clair. Voilà. Voyez. Bon, on verra ce que ça donnera quand je ferai. Parce que celui-là ne va pas être commencé tout de suite. Parce que bon, d'abord, il faut que je finisse celui-là. Après, je vais voir si je commence l'autre. Celui que je vous avais montré auparavant. Mais l'autre est plutôt dans les tons noirs. Donc, je verrai. Ou alors, je commencerai celui-là. Je ne sais pas. Je vais bien voir. Donc, là. Alors, je vais montrer... Toujours pour celles qui n'auraient pas vu ou qui ne connaissent pas. Donc. Voilà, donc il y a une pellicule hein, pour protéger. Bon, essayez de ne pas déchirer. Vous voyez, ouais, en fin de compte, vous voyez, il y a quand même beaucoup de bleu. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vous montre, voilà les symboles pour coller les perles. Donc, voilà, bah, en fin de compte, oui, bah, les couleurs ça doit être ça. Il y a beaucoup de bleu,
et pas énormément de blanc. Donc c'est l'image qui fait un peu... Bon, tant mieux, parce que trop de blanc, voilà, donc c'est trop de blanc ou trop de noir, c'est... J'aime pas beaucoup. J'aime bien que les couleurs soient variées. Bon, on va le replier. Donc voilà, je voulais vous présenter celui-là. Donc je vous dis, je devais vous le présenter déjà depuis un moment. Mais bon, j'ai pas eu le temps du tout, du tout. Et donc, bah, j'espère pouvoir... Pacha, oh, il pleure. Donc, j'espère pouvoir commencer rapidement aussi. Et dès que j'ai terminé, donc, ma japonaise. Voilà. Bah, j'espère que ce petit, cette petite vidéo vous aura plu, que ce kit vous plaît. Donc, n'oubliez pas que lors du concours au mois de novembre, il y aura un kit hein, de Diamond Painting à gagner. Vous le verrez à ce moment-là. Je ne vous le montre pas maintenant. C'est la surprise. Donc, je vous rappelle que là, c'est un kit que moi, j'ai acheté. Hein. Ce n'est pas un kit d'un partenaire, d'une boutique partenaire. Hein. Mais je sais, comme je dis à chaque vidéo en ce moment, je vous en donnerai tous les détails le moment venu, au moment du concours. Donc, la vidéo du concours... si tout va bien, sera en ligne le 12 novembre, le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc là, maintenant, ce soir, ben, je vais continuer un petit peu ma japonaise en regardant la télé. Et parce que là, bon, cet après-midi, j'ai fait du cartonnage. Je travaille sur les commodes que j'ai en commande. Voilà. Donc ça, pareil, vous aurez une vidéo sur les deux commodes que je suis en train de faire. Et puis, donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je referai une autre vidéo pour l'autre kit. Mais bon, j'en dis pas plus sur cette vidéo-là parce que là, ça n'a rien à voir. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. Il y aura une vidéo pour l'autre kit. Et j'aurai peut-être des choses à dire à ce moment-là. Voilà. Sinon, ben voilà. Donc aujourd'hui, ben la vidéo est un petit peu courte pour le Diamond Painting. ce que je vais faire là, juste après que je vous aurai fait le gros bisou, je vais travailler un peu sur ma japonaise. Comme ça, vous le verrez. Et puis, comme ça, pour celles qui n'auront pas encore vu comment je travaillais dessus, bon, c'est un peu comme toutes celles qui font du diamond painting, hein, il n'y a pas 50 millions de façons d'en faire. Donc, là, je vous dis de rester un petit peu après mon gros bisou. Comme ça, vous verrez un petit peu ma continuité sur la japonaise. Et là, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ben, restez encore un peu sur la vidéo pour voir la suite. Pacha, oh, il veut réveiller Jerry. Non, non, non. Jerry, fais dodo. Quand il est réveillé, il veut réveiller tout le monde. Donc, je vous invite à rester un petit peu sur la vidéo pour regarder la suite. Et on se retrouve très rapidement donc pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Bisous, bisous. Bye, bye. À bientôt.